Salut à tous, c'est Hunter 404. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai vraiment déniché une dinguerie. Je pense que ça vous est arrivé pas mal de fois sur internet de tomber sur des photos, des vidéos de cosplay de manière générale. Des fois, c'est assez sympa, des fois c'était un peu plus cringe. Mais là, le fan-made Hunter x Hunter que je vous ai trouvé aujourd'hui, c'est une pépite. Avant qu'on se regarde ça ensemble, j'en profite aussi pour vous dire que j'ai enfin créé ma page Twitter après environ 23 000 commentaires qui me demandaient de le faire. Du coup, n'hésitez pas à m'ajouter sur Twitter, le lien est dans la description. Et au passage, la vidéo du coup de dimanche, la prochaine vidéo, sera un épisode de X peut-il vaincre X. Et du coup, j'ai laissé un petit sondage sur la chaîne qui vous permet de voter pour le personnage que vous voudriez voir. Pour en revenir à nos moutons, ce que je vous propose, c'est que on se regarde la vidéo ensemble en entier. Elle dure à peu près 3 minutes, donc c'est pas très très long. Et ensuite, on va reprendre la vidéo et on reviendra sur quelques moments pour que je vous montre à quel point leur fan-made sur la Brigade Fantôme, mais il est juste incroyable en fait. Que ça soit au niveau des cosplays, au niveau des détails, au niveau de l'âme en fait qui se dégage de la vidéo. Alors ce fan-made en fait, il nous vient directement de la chaîne Natalang, ici. J'ai regardé un petit peu, c'est une chaîne en fait qui se consacre quasiment exclusivement qu'au cosplay. En vrai, je vous conseille d'aller faire un petit tour si vous aimez tout ce qui concerne le cosplay de manière générale, parce que franchement, ils font des trucs assez sympas. J'ai regardé un petit peu et vraiment, c'est assez cool. Du coup, pour en revenir à la vidéo qui est ici, elle a eu pas mal de succès, comme vous pouvez le voir d'ailleurs. Et on va du coup se regarder ça. Donc, en une seule traite, dès maintenant, et après on reviendra un petit peu par la suite. Je vous préviens, vous êtes vraiment pas prêt pour ce que vous allez voir. Déjà, ce qui est ouf, c'est que, enfin, ils ont pris un entrepôt juste pour faire le clip, entre guillemets. Et genre, ça colle trop bien avec Urchin City, quoi. Franchement, de manière générale, genre, c'est abusé. Vous allez voir à quel point c'est abusé, à quel point les personnages ressemblent. Même Gon et Kirua, enfin, c'est ouf. Mais vous allez voir, c'est dingue. Même au niveau de l'éclairage, genre c'est énorme. Bon là, forcément, ça fait allusion au moment où Kuroro fait ses prédictions, grâce à la fille de Nostrade. Mais genre, les petits détails, ils sont incroyables, quoi. Vraiment, même les cierges qui sont à côté sur l'escalier, c'est ouf. C'est ouf. Franchement, Charnalk, il est incroyable. Et d'ailleurs, vous allez voir dans la vidéo aussi que, là, comme vous pouvez le voir, ils sont pas mauvais en effets spéciaux, hein. Franchement. Ils ont tout compris. Enfin, ouais. On y reviendra, mais ils ont tout compris en fait à l'essence même des personnages, quoi. Et même, vous allez voir, enfin là pour Karuto par exemple, c'est, on dirait pas, mais les effets spéciaux là que vous allez voir là quand elle utilise ses feuilles de papier, franchement, mais ça c'est vraiment pas facile à faire. Hein. C'est mine de rien, ça demande quand même de s'y connaître un petit peu, quoi. Nobunaga, en vrai, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui jouent à League of Legends, franchement, Nobunaga, c'est vraiment Yasuo, pour le coup. Mais il est vraiment bien fait aussi, quoi. Ils sont tous bien faits, hein, de manière générale. Il y en a certains qui sont extrêmement bien faits. D'autres, bon, c'est un peu plus compliqué, hein, forcément, je veux dire. Mais de manière générale, ils sont quand même vachement bien faits, quoi. Mais même ça, enfin, franchement, c'est incroyable. Genre, même d'aimer l'aspirateur, c'est... C'est ouf, franchement c'est ouf. Franchement, ouais, mais Feitan, je pense, en vrai c'est peut-être l'un des plus réussis. Le seul truc que j'ai moins aimé là avec Feitan, c'est qu'en fait, bon, c'est un détail, hein, mais son truc qui camoufle en fait sa bouche, pour moi il est pas assez haut. Bon après c'est compliqué de le faire tenir, mais pour moi vraiment, tu vois jamais en dessous de son nez en fait, quoi.
Franchement, même Franklin Bordeaux, ils se sont cassés le cul pour faire un truc, mais trop bien, quoi. Vraiment. Ouais, franchement, même là, c'est ce que j'allais vous dire, mais genre, bon, déjà, le cosplay de Kirua est vraiment très bien fait, pour le coup. Genre, vraiment, il est bien fait. Il ressemble plus au Kirua de la version 99, je trouve, pour ceux qui connaissent. Mais en vrai, faire un cosplay de Gon, comparé à Kirua, c'est vraiment beaucoup plus dur pour que ça soit pas cringe, tu vois, vraiment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait. Ouais, franchement, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires hein, à me dire ce que vous en pensez. Parce que franchement, enfin, après c'est peut-être moi hein, qui m'extasie pour rien, mais vraiment genre c'est bourré de talent quoi. Du coup là ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se revoit quelques petits passages comme ça. On se revoit quelques petits passages juste pour que je vous montre à quel point c'est bien pensé. Alors par contre juste le truc, entre guillemets. Au début, donc quand Kuro arrive, attendez, je vais essayer de vous faire un. Ouais, voilà, là. Attendez, faut que j'essaie de voir tout le monde. Yes. Alors, le seul truc que je me suis dit, c'est qu'en fait, à ce moment-là, je sais plus pourquoi j'avais mis pause, et en fait, j'avais compté le nombre de membres de la brigade qui sont sur la vidéo. Et alors, je le refais vite fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bien ce que je pensais, parce que du coup, si je dis pas de bêtises, en fait ils sont 12, alors que théoriquement à la brigade ils sont censés être 13, et du coup, vous aurez remarqué qu'il y a déjà Caruto, donc en soi, forcément, alors les plus, voilà, les plus proches, entre guillemets, du manga diront oui, Caruto, au moment de Yorkin City, il était pas encore dans la brigade, alors c'est vrai, mais en vrai. Je pense que vu qu'il n'y a pas Uvogin, par exemple, ils se sont dit, bon, c'est quand même plus simple de faire Caruto dans la vidéo que Uvogin. Parce que bon, autant Franklin, bon, tu peux prendre quelqu'un, tu vois, qui est assez costaud, assez corpulent, mais qui fait pas forcément 2m50. Bon, Uvogin, tu vois, c'est très compliqué de faire un cosplay si littéralement tu fais pas 2m20 et que t'es pas tanké comme ça, quoi. Par contre, ce qui m'a surpris. C'est que du coup, ils sont 12 avec Karuto, donc ça veut dire qu'il manque Uvogin, et ça veut dire qu'il manque Kurutopi. Et en fait, au début, j'ai cherché partout Kurutopi sur la vidéo, et je l'ai pas trouvé, et je me suis dit, ah, quand même, franchement, il y aurait eu moyen. Parce que quand tu vois qu'ils sont capables de faire des cosplays pour Franklin, ou même pour, je sais pas, bah, pour Bonorenov, je me suis dit, putain, en vrai, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un petit là qui fasse Kurutopi. Et je me suis dit, si ça se trouve, le gars qui faisait Kurutopi, il s'est pas réveillé le matin, tu sais. Son réveil a pas sonné, et du coup, c'est pour ça qu'il est absent. Bon, allez, du coup, on reprend. Ouais. En vrai, Kuroro, c'est peut-être même un de ceux que j'aime le moins, entre guillemets, même s'il est très bien fait. Hein. Mais je trouve que c'est peut-être un des moins réussis. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, d'ailleurs, mon gros regret dans la vidéo, c'est que Finks et Machi aussi, mais Finks et Machi et Bonorenov aussi. Ouais, même. Merde, comment elle s'appelle déjà? Celle qui tire avec son revolver là, à chaque fois j'oublie son prénom. Pas Kunoda. Genre, en vrai, les quatre, on les voit assez peu, je trouve, dans la vidéo, et c'est dommage, mais moi, étant un gros fan de Finks, j'étais un peu déçu de pas l'avoir vu vraiment de plus près, quoi, tu vois. Mais en vrai, ils ont quand même assez bien équilibré sur les personnages, donc ça, c'est cool. Ouais, franchement, déjà, en fait, l'ambiance hyper sombre, c'est. Franchement, ils ont bien géré. Bon, là, on le voit un peu plus en vrai, Finks. Mais ils ont vraiment géré dans l'ambiance sombre, comme ça, avec les cierges et tout. Parce que, déjà, juste de refaire une scène où, en fait, il refait ses prédictions, je trouve ça génial, entre guillemets. En vrai, franchement, même, enfin, vous voyez les petits détails, c'est fou, mais juste, en fait, d'avoir repris le principe, là, de reprendre une croix à l'envers, c'est génial, quoi. Ouais, franchement, Charnalk. En vrai, il est bien fait. Après, genre, j'ai envie de vous dire pour Charnalk, genre, j'aurais peut-être vu plus un acteur
plus expressif, entre guillemets, genre grands yeux ouverts, limite sourire, parce que tu vois, Charnak, pour moi, il est tout le temps en mode sourire, tu sais. Mais franchement, par contre, en vrai, sinon, le cosplay est excellent. Même le fait qu'il lance sa petite fléchette pour sa télécommande, c'est incroyable. Mais, genre, enfin, pour moi, la masterclass de cette vidéo, c'est Hisoka, quoi. Je veux dire, enfin, bon, déjà, en dehors du cosplay qui est fou, les petits effets spéciaux avec les cartes, c'est incroyable. Mais, franchement, les yeux dans les yeux, dites-moi que, genre, ce cosplay d'Hisoka, il est pas dingue. Genre, l'acteur, c'est... Il est... Enfin, l'acteur, le... On va dire, le gars qui fait le cosplay, mais c'est ouf. Genre, le petit sourire, le petit maquillage, comme ça, genre... Même, tu vois, la forme du visage, je sais pas, les mimiques, la posture, mais même ça, enfin, tu vois, c'est con, mais je veux dire, c'est tellement le personnage. Moi, j'étais fou. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est dingue. Mais d'ailleurs, ça remet un peu en question aussi le principe des live-action, parce que, genre, on va pas se le cacher, mais les live-action, en général, sur des mangas, bon, ceux qui connaissent pas les live-action, en gros, c'est le principe... d'adapter un manga sur un film ou une série qui se passe avec des vrais acteurs. Et si vous voulez, les vrais se rappelleront de Dragon Ball Evolution, quoi. Mais ce qui est triste, en fait, c'est que les live-action, ça a très rarement marché, c'est très compliqué. Après, dans un manga comme Hunter x Hunter, c'est quand même plus possible. Mais tu vois, un manga comme, pour moi, comme DBZ, ou même apparemment, j'ai cru comprendre qu'ils allaient en faire un sur One Piece, c'est hyper casse-gueule, si vous voulez. Mais là, je me dis, enfin, hein, tu vois, un Hisoka comme ça dans un live action, putain, je me dis, oh, carrément, quoi. Genre, vraiment, carrément. Il y a tout, quoi. Même la transition avec la carte, c'est incroyable. Genre, franchement, ouais, même Karuto aussi, c'est dingue. Genre, Karuto, bon, après, le cosplay, bon, tu prends, est pas forcément hyper dur à faire. Mais vous voyez, en fait, que ce qui est incroyable dans la vidéo, c'est que. Même sans le cosplay, en fait, les personnages, ils sont rentrés. Enfin, les acteurs sont vraiment rentrés dans les personnages, tu vois. Genre, typiquement, Nobunaga, tu vois vraiment, c'est le gars un peu fier de lui, tu sais, qui connaît ses capacités, qui sait qu'il est fort et tout. Enfin, genre, je sais pas, tu vois, pour moi, les petits détails sont hyper importants. Genre, même par exemple, bah là, pour Shizuku, tu vois. Shizuku, tu sais, c'est vraiment, tu vois, dans le clip, que... Tu sais, elle est un peu à la ramasse, tu vois. Bah, comme dans le manga, tu sais, genre, tête en l'air, ouais, un peu en mode, elle sait pas trop ce qu'elle fait là, tu vois, genre... en fait, il joue vraiment bien le jeu, tu vois. Genre... Parce que des fois, quand tu vois des cosplays ou quoi que ce soit de personnages, bah, tu sais, ils arrivent pas à vraiment rentrer dans le personnage, si tu veux. Et franchement, enfin, là, même pour Faitan, c'est pareil, tu vois. Faitan, après, en soi, le cosplay en lui-même, pour moi, c'est celui qui est le plus réussi. Genre, même l'ombrelle. Genre, vous l'aurez reconnu, l'ombrelle, c'est celle qu'il utilise devant... Enfin, face à Zazan. Et en vrai... Ah, c'est... Non, franchement, c'est incroyable. Et pour moi, il y avait juste le petit truc devant la bouche, pour moi, pour... merde, putain, j'ai même oublié son prénom, quoi, tellement je suis fatigué. Pour Faitan, pardon. Franklin, alors je crois qu'il y avait une... Je me demande s'il n'y avait pas une scène ou un truc du manga où justement il prend une pièce comme ça, je me souviens plus. Peut-être que oui. En vrai, bon, Franklin, j'aurais adoré qu'il fasse entre guillemets tirer des balles ou quoi. Bon, après, on peut pas trop demander, hein, mais franchement, j'aurais juste adoré, quoi. Et bon, là, t'as la petite scène avec Gon qui essaie les yo-yo de Kirua qui sont censés être méga lourds. Et... Ouais, en fait, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, genre, pour moi, le Kirua ici me fait vachement plus penser au Kirua de la version 99, tu vois. Je pense que ceux qui ont regardé la version voient ce que je veux dire, c'est-à-dire un Kirua un peu plus ado, on va dire, un peu plus ado, un peu moins sympathique, tu vois. Et par contre, pour Gon, en fait, j'ai vu beaucoup de cosplay de Gon sur pas mal d'images, de vidéos et tout, et en vrai, faire un bon cosplay de Gon... C'est super dur. Genre, autant j'en ai vu plein de Kirua qui étaient géniaux, tu vois. Mais en fait, un cosplay de Gon qui soit pas full cringe, je trouve que c'est super dur. Et en vrai, celui-là, il... Et pour moi, d'ailleurs, ce Gon-là, tu vois, il est un peu plus candide, il me fait plus penser au Gon de la version 99 également, tu vois. Mais franchement, en vrai, c'est hyper propre. Genre, je sais pas ce que vous en pensez, mais...
Franchement, si moi on me proposait, si j'étais producteur et qu'on me proposait une. Franchement, un film, une série, ce que vous voulez, avec ce genre de principe, entre guillemets, mais carrément, franchement. Surtout qu'en vrai, comme je vous disais, pour moi, Hunter x Hunter, c'est un manga qui à la base se rapproche plus de la réalité, tu vois. Je dis pas que t'as pas d'effets spéciaux à faire par rapport au Watsu, au Nen des personnages. Mais c'est quand même pas non plus DBZ en mode il cherche ton ki et t'as la moitié de la ville qui s'écroule, tu vois. Genre, t'as quand même moyen avec un peu d'effets spéciaux de rendre le truc bien et crédible. Mais tu vois, beaucoup d'Hunter x Hunter, c'est quand même beaucoup de trucs entre guillemets de la vie réelle, entre guillemets. Même, tu sais, tu peux. Pour moi, tu pourrais vraiment faire on va dire un. Tu pourrais vraiment faire, on va dire, une série, par exemple, Hunter x Hunter, mais tu sais, qui se base sur la jeunesse de Kuroro, ou même la jeunesse de Netero, tu vois, ou même qui se base juste sur la brigade, mais ça serait incroyable, tu vois. Ouais, c'est ça, quoi, tu vois. Vraiment un live-action qui soit basé sur Urshin City, par exemple. Ça pourrait être juste ouf. Enfin, bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Franchement, j'avais trop envie de vous partager ça, parce que je trouvais, genre, vraiment la vidéo complètement ouf. Enfin, franchement, ça se voit qu'ils se sont donné vachement de mal. Et ils sont rentrés de ouf dans les personnages de la brigade. Et ça fait trop plaisir parce que, bah, franchement, c'est crédible. Quand tu regardes ça, tu vois, c'est crédible. Et limite, tu voudrais voir vraiment un live action avec ça, quoi. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à dire voilà quel personnage vous trouvez le mieux fait, qui représente pour vous voilà, le plus un membre de la brigade. Pour moi, c'est Hisoka, hein, clairement, je pense que vous en êtes aperçu. N'hésitez pas, du coup, à mettre un gros pouce bleu pour soutenir la vidéo, et le plus important, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futurs épisodes. Je vous remercie beaucoup pour votre force, c'était Hunter 404, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat!